Mes chers concitoyens, nous voici présentement dans le grand parc de Vergerolles. Vous savez, j'aime bien me balader à l'intérieur de ce bel espace vert, me mélanger à vous un petit peu. Ah bah tiens, regardez, il y a des jeunes qui sont en train de jouer au foot, on va aller les rencontrer si vous le voulez bien. Vous savez, la jeunesse, c'est notre avenir aussi, il faut y penser à ça. Salut les jeunes! Alors, ça tripote le ballon? Je veux faire une petite partie avec vous, ça vous dérange pas? Hop, là, je prends la balle. Qui veut essayer de me dribbler? Allez! Ah bah, j'étais pas prêt. Ah bah, on refait, s'il vous plaît. Attention, gauche, allez! Oh, ah, j'étais pas loin, donc calmez-vous un peu. Allez, essayez une dernière fois et tu vas voir, ça va pas être la même. Voilà, attends, calme-toi. Oh, ça va. Ah, mais y'a pas le droit d'attraper comme ça. Comment ça y'a pas le droit? Alors, je plaisante, c'est... Vous savez, le sport, le foot en particulier, c'est un sport de contact, c'est pas comme la danse. Bon, messieurs, vous jouez entre hommes, ça serait bien de jouer aussi avec des filles. S'ouvrir un peu l'esprit, ça c'est important. Non, bah tenez, madame, venez jouer avec nous un peu au foot, là. Comment vous vous appelez? Mireille. Eh ben non, maintenant c'est Zidane. Voilà, mettez-vous dans les buts, c'est plus rassurant pour vous. Vous deux, vous vous mettez avec Zidane, toi t'es avec moi, ok? On est parti, tu filmes bien. Hein. Donnez-moi la balle. Regarde-moi ça. Allez! Ça, c'est du football! Allez, on rejoue. Je vais prendre la balle, allez, on rejoue. Quoi? Vous voulez plus jouer? Non, mais soyez pas mauvais joueurs, les gars. Ouais, bah c'est ça, prenez vos affaires, cassez-vous. Puis on n'a pas le droit de jouer au foot sur les pelouses. Allez, dégagez, sinon j'appelle la police. Tiens, Zidane, tu peux y aller aussi, tu m'as saoulé. Ah, bonne journée, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Vous savez, les valeurs du sport sont très importantes pour moi. Mais ce qui est capital, c'est la qualité de nos espaces verts et la qualité de nos pelouses. T'as filmé le but ou pas? T'as vu la patate? La patate que j'ai mise. Ça, c'est des buts directs, mon pote. Abonnez-vous sur nos réseaux. Oh là là. C'est qui le patron? Filme ça encore. Être élu, c'est avant tout répondre à un certain nombre de sollicitations, notamment de la presse. Aujourd'hui, je vais répondre à une interview d'un journaliste d'une radio locale. Je vous rassure, ça va très, très bien se passer. Toc, 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 c'est moi. Bonjour, je suis Erwan Débuderec. Il est pas là, Dylan? C'est moi qui vais faire l'interview. Comme Dylan est votre neveu, on avait peur qu'il ait du mal à être impartial. Ah, ok. Parce qu'en fait, on avait préparé les questions, tout ça. Ah, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va aborder plus ou moins les thématiques que vous aviez prévues. Ok. Et dans quel ordre, du coup? Parce qu'on avait préparé un certain nombre. Exactement. Faut vraiment qu'on se prépare, là, parce qu'on va être à l'antenne dans quelques secondes. Très, très bien. Coupe, s'il te plaît, je le sens pas bien. De toute façon, ça va être en direct à la radio. Ouais, mais au moins, il n'y aura pas d'image. Coupe, fais ce que je te dis. Ouais. Bonjour et bienvenue dans l'Info sans faute, je suis Stéphanie Frappas avec aujourd'hui un invité exceptionnel élu fraîchement maire de Vergerolles, Erwan Débuderec. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous mes concitoyens et auditeurs de Vergerolles FM et bonjour à vous Dylan, je précise que nous ne nous connaissons pas et que nous ne sommes pas de la même famille. C'est vrai, puisque mon prénom, moi c'est Stéphanie. Tout d'abord monsieur le maire, comment ça va? Comment ça va? Excellente question. Eh bien, je dirais que pour moi, être maire, c'est avant tout avoir des devoirs envers les citoyens et envers une ville que j'aime profondément. Et je vais tout faire pour que cette ville soit la plus agréable possible à vivre. Alors, pour répondre à votre question, je suis, oui, particulièrement fier d'avoir été élu maire de Vergerolles. D'accord, donc ça va plutôt bien, visiblement. Une question revient souvent. Où en est le projet d'immense complexe sportif que vous aviez promis de construire dès votre élection? Attendez, ça c'est la question 2, c'est ça? Je dirais que l'accès à Internet pour tous les jeunes Vergerolais fait partie de mes priorités. Et c'est pourquoi nous souhaitons intégrer la 5G dans chaque vaccin contre la coqueluche. Pardon, mais je ne comprends pas bien le rapport avec le complexe sportif. C'était pas la bonne question? C'est pas la bonne réponse, en tout cas. Peut-être pourrions-nous revenir sur la vidéo de vous où vous dites que vous êtes d'accord avec le fait d'expulser les étrangers? Ouais. On pourrait écouter un morceau de musique pour changer d'atmosphère un peu. C'est possible, ouais, merci. Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Info sans faute avec Erwan Débuderec, le maire de Vergerolles. C'est dégueulasse ce que vous faites. J'ai l'impression d'être pris au piège. Là, c'est quoi? C'est une prise d'otage, c'est ça? Non, mais enfin, monsieur le maire, calmez-vous. Y a aucun piège, c'est des questions plutôt basiques. Mais c'est pas ça le problème. Moi, j'ai bossé mes questions avant et là, c'est pas dans le bon ordre. Moi, je vais pas checker mes fiches à chaque question. Vous pouvez aussi répondre par vous-même, c'est ça, une interview? Ouais. Je vais surtout pisser par moi-même sur vos machines. Ça va pas faire de pli, moi, je te le dis. Non, ça va, laisse-moi faire. La frappasse, là. Regarde-moi ça. Un peu là, partout.